Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien par la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur a dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. J'ai été énormément choquée d'apprendre la mort de mon frère. C'est mon petit frère, Max Patrick Kempiop. La nouvelle a été vraiment pour moi un choc terrible. J'ai passé vraiment un week-end très très morose et je tenais vraiment à lui rendre un vibrant hommage parce que c'est il ressemble tellement à mon père. Donc c'était quand je le voyais, je me disais ben voilà, c'est mon papa en miniature. Il était parti aux États-Unis depuis plus de 20 ans. On s'écrivait, on se parlait et ça m'a rendu vraiment très triste parce que on sait que la mort fait partie de la vie, mais c'est toujours bizarre quand on perd un être cher. En tout cas, je lui dédie cette petite vidéo. Je sais que cela arrivera aux oreilles de nos enfants. Je le fais, surtout pour eux. Isa et tes frères, ta sœur, ton frère, ta sœur, sachez que je vous aime énormément. Je vous connais seulement à travers les photos, mais vous êtes mon sang. Et notre Dieu est le Dieu des orphelins. Il ne vous laissera jamais tomber. Et à chaque circonstance, le Seigneur a dit de le louer, de le remercier. Humainement, ça fait très mal. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que notre frère est allé se reposer dans la félicité de notre Seigneur. En tout cas, courage, nos enfants. Je vous aime énormément. On ne vous a pas oublié. Dieu fait les choses en toute souveraineté. Et je sais qu'un jour, Dieu me permettra d'aller aux États-Unis et de vous voir. Si Dieu le permet, je viendrai un jour et vous allez me voir et je vous verrai. Je vous aime énormément, soyez forts, rendez fier votre papa, rendez fier le nom de Kipio. Le plus bel héritage que mon frère m'a laissé, c'est vous. Mais nos enfants, nos jolis enfants, nos beaux enfants, c'est le meilleur cadeau. Max, repose en paix. J'étais assez pleurée, j'étais vraiment pleurée. Maintenant, je rends gloire à Dieu. Merci pour les beaux moments qu'on a passés ensemble. Merci à papa de nous avoir. Merci à papa pour toi. Je t'aime, mon frère. La mort n'arrête pas l'amour, mais je t'aime énormément. Tu as lutté, tu as combattu, tu as vécu ta part d'humanité. Maintenant, tu es passé de l'autre côté. Je t'aime énormément. Repose en paix, mon frère. On se verra un jour. Bye bye. Bisous, Nancy. Sois forte pour les enfants. Tu es resté leur pilier. Prends soin de nos enfants. Dieu est le mari des veuves. Dieu t'aidera à surmonter cette épreuve. Et one day. Peut-être un jour, maybe, on viendra aux États-Unis et on se verra. Je vous aime tous. Bye bye.